Salut, Salut, salut! Bon, alors aujourd'hui, on vient. Ah, faut pas que je lève trop les bras parce que je me suis pas rasée. Mais baisse les bras alors. Je me suis rasée il y a une semaine. Mais ça pousse pas. J'espère que tu vas pas manger comme ça. Ouais. Attends, je m'attache les cheveux. J'ai mis des bagues et tout, genre. Vraiment. Bon, on vous fait un mukbang parce que vous avez été hyper nombreux à nous demander des mukbangs. Donc, on va faire un mukbang en vous faisant découvrir des choses que nous avons achetées à Lidl. C'est quoi ça? C'est des croquettes qui sont. Tout est sorti de Ah, notre cuir. je comprenais pas pourquoi c'était comme ça. On va faire découvrir en même temps ce qu'on a acheté à Lidl. Hein. Ouais, on va faire un mukbang bouffe sur elle. Je fais une pub. Et un mukbang dessert sur la mienne. C'est quoi ton sujet déjà? Qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement? Ah. Parce que c'est intéressant quand même ce qu'on a fait pendant le confinement. J'espère que ça va pas nous prendre les droits d'auteur. Ouais, droits d'auteur. C'est trop loin, ça peut pas te prendre les droits d'auteur. C'est un fond. Bref. Bon, allez. Pimping! Là où il est? Ouais, ben, Pimping, dégage. Bon, alors, allez, on y va. Bon, alors, du coup, on va vous montrer ce qu'on mange. Déjà, à Lidl, on a acheté une pizza. C'est aux patates, ça? C'est aux patates douces. Et il y a quoi d'autre? C'est tout. Et si, il y a un truc. Je sais plus. Donc, déjà, pour commencer, on a pris pizza. Avec le fromage à l'intérieur, ça c'est au rayon tiens, américain. Ah, on mange maintenant? Non, on va manger demain. Pizza avec le petit fromage américain, là on a trouvé ça chez Lidl, franchement. En plus, on a acheté. On a acheté du fruit. Du jus de fruit. C'est pomme, grenade, myrtille, canneberge. Après, on a acheté des poulets, des pommes de terre frites. Et les poulets, c'est un peu style KFC. C'est des croquettes de pommes de terre frites, de pommes, de patates douces. Ouais. Avec du piment. Et on a pris du poulet façon KFC. Mmh. Avec après, les sauces. On montre tout, après on parle. Ouais. Après, on a ça. Je sais pas ce que c'est. C'est grec. C'est des petits sticks apéro. Comment on ouvert ça? Ça va se perdre. J'ai dit tout, c'est mal ouvert. C'est mal ouvert. Mmh. Ça. Et... ça, c'est des sortes de bretzels. Il y a un cheveu. Ah non. Hein. Bref, c'est des bretzels au cheddar. Et il existe aussi aux moutardes et miel. Elle est bonne. Surtout quand tu arrives à la croûte, là. C'est comme la glace. Quand tu arrives au chocolat, c'est le meilleur. Ah. En plus, moi, je mange. La glace, c'est la vie. La glace, c'est la vie. La glace, c'est la vie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hein. Tu m'as pas laissé finir. Ça veut dire, en plus, moi, je mange jamais les croûtes. Bon, bref. Bon, qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement? Et en même temps, on vous dit si c'est bon. Mais en tout cas, la croûte de la pizza. Viens, je vais te donner de la croûte, viens. On habite là chez les endives. Ah oui, le porc. Mais encore, bon. Bon, allez. Bref. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement? Alors déjà, on était déjà confinés, nous, une semaine avant. Parce que... Tissène, elle était rentrée de la fac. Elle était rentrée pour quoi faire d'ailleurs? J'étais pas rentrée, je suis rentrée le vendredi comme d'hab. Ah oui. Elle est rentrée le vendredi soir. Moi, ouais, on était confinés 4 jours avant, ouais. Ouais. Une semaine. Non, ouais, 4 jours avant, parce que tu es rentrée le vendredi soir. Le vendredi soir, Macron a dit. C'était le vendredi soir qu'il a dit que. Non, quand je suis rentrée. Non, quand je suis rentrée, c'est quand Macron il a dit on va plus à l'école lundi. Mais moi le vendredi j'étais déjà. Je sais pas si on était confiné, mais je sais que Macron le jour où je suis rentrée de Toulouse, il a dit qu'il n'y a plus école. Il avait dit un truc avant comme quoi il y avait le virus. Bon, il avait dit déjà que le virus il courait partout. Donc moi du moment où il avait dit ça, le dimanche déjà on n'a même pas été faire l'anniversaire de Isaïe. Donc du coup moi dès le vendredi j'ai dit je sors plus. Je suis allée faire mes petites courses. Non, le samedi, je suis allée faire les courses. Je suis allée faire les courses. Tu te rappelles, j'ai fait les courses. C'est bon? Oh! Va-t'en! Commence pas, hein? On n'a pas le droit d'emmerder, hein? Ouais, quel culot, on a faim, hein? On va nous manger le repas. Hein. C'est un petit goût acide. On la cache pour Shane, il la voit pas. Il va tout la finir demain, elle a plu. C'était pour rire, évidemment. Évidemment, parce que sinon, ils vont croire qu'on cache des choses à Shane. Shane, il va y croire. Shane, quand il va voir la vidéo, il va pleurer.
Elle est trop mangée. C'est l'acidité de la pomme, en fait. Enfin, bref. Donc, le samedi, on est allé faire les courses. Et moi, je me suis confinée direct. Le dimanche, je ne suis pas allée chez mon frère. Je ne suis pas allée à l'anniversaire. Je les ai appelés. J'ai dit, ben, je ne viens pas. Et heureusement. Heureusement, entre parenthèses, parce qu'en fait, là-bas, il y avait mon oncle qui a attrapé le Covid. Et mais lui, ça s'est déclaré 15 jours après. Et je me dis que heureusement, personne ne l'a eu chez nous. Peut-être qu'il n'avait pas attrapé là. Mais je me dis que s'il avait attrapé avant, avec la chance que j'ai, ou toi, qui es asthmatique, tu aurais pu l'avoir. Ouais. Tu sais, je suis en train de réfléchir à quoi ? Non. Que peut-être j'aurais plus faim après pour ma vidéo, que je dois me forcer. Ah, rien à voir, hein. Rien à voir. C'est bon, t'en sûr ? Hein ? Du coup, nous, on s'est confiné avant. À quoi ? Et qu'est-ce qu'on a fait pendant le Covid ? Rien du tout. Ouais, franchement, on a fait une bonne chasse pendant le Covid. On a fait quoi ? Dormir ? Non. On a maigri. Ah oui ! Non ! C'est un secret, ça ! Moi, je le dis pas parce que j'ai pas fini. T'as pas fini quoi ? De maigrir. On a maigri ! Aujourd'hui, c'est un joker. Parce qu'on est encore en train de maigrir. Non, aujourd'hui, c'est un joker. T'as combien, toi ? Dis pas. Secret. Secret des familles. Ah ! Comme dites-nous, toi. On est pareil. Ouais, dites-nous combien on a perdu. Dites-nous combien on a perdu en nous voyant. Moi, je sais que sur Insta, tout le monde me dit mais t'as maigri, mais t'as maigri, mais t'as fait comment ? Attendez que je finisse et je vous dirai. Ouais. Parce qu'avec la chance qu'on a, ils vont venir nous mettre les yeux sur nous et on va plus reprendre marcher. Tous les kilos. Alors aujourd'hui, on va reprendre. Coucou, viens ici. Il me regarde depuis tout à l'heure. Il mange. Il s'est dit. Alors moi, je mange de l'herbe. Eux, c'est en train de se goinfrer là-bas. Oh, Pimpin, il vient vers nous. Je crois qu'ils ne vont pas savoir qui c'est Pimpin parce que j'ai pas encore mis la vidéo de Pimpin. Pimpin, c'est notre lapin. Notre petit lapin tout mignon. Si je mets la vidéo demain mercredi, ben vous le verrez que, je pense, dimanche. Ça, c'est bon, mais sans plus. C'est pas trop mon kiff, ça pique un petit peu. C'est olive et l'origan. Olive et origan. Ouais. Moi, je suis pas trop fan. Ça, je suis sûre, c'est trop bon. Ça, oui, là, c'est bon. Cheese cheddar, ça doit être trop bon. Putain, on dirait que j'ai une grosse tache ici. Hein. J'ai trop soif, mais je finis pas tôt, sinon je vais boire du verre. Mais j'ai trop la soif. J'ai trop du coca. Moi, j'aime pas, j'ai même pas pris d'eau. C'est bon, toi ? Mais ils sont bons aussi à la moutarde et au miel. Tu l'as dit ? T'en avais ? Oui, je dis. Je pèle de partout. Karine. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais dire coucou, il klaxonne. Oh là là, ma peau. Merci. Vraiment, t'as pas vu. On ouvre curry ou barbecue ? Curry. Toi, tu préfères barbecue. Mais bah, prends curry, je prends barbecue. C'est avec les patates ou avec le poulet, ça ? C'est avec le poulet. On l'a lavé. Moi, j'ai les deux avec. On l'a lavé. Oui. Non ? Quoi ? Du curry. Hein. Oh, il y avait la Deluxe du McDo au frigo. Non, arrête. Hein. Tu vas pas me démake-upé quand même. Hein. Bref, on parle de tout sauf du filet, de la bouffe. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a fait pendant le Covid ? Ben, franchement, on a pu aménager tout le jardin. Dites-nous ce que vous avez fait, vous, pendant le Covid. Ça n'a pas été très, très enrichissant pour moi, quoi. En tout cas, c'était très ennuyant. T'es enfermé. C'était trop nul. Oh là là, pire jour de ma vie. Pire période de ma vie. Je n'avais jamais vécu des périodes aussi nulles. T'avais envie de pleurer. Ah, oh, c'était trop nul. Mais, je sais pas vous, mais nous, du coup, on a pu aménager un petit peu le jardin. Commencé à aménager. D'ailleurs, j'avais fait la vidéo sur le jardin. Quoi ? C'est bon. Ça a le même goût que KFC. Ouais. Ça a le goût au. Au bucket. Les bucket ? Ouais. YouTube. Ça me goûtait plus. T'en repasses ? Parce que là, quand on a commencé à préparer la table, il y a des jeunes à vélo qui sont passés, ils ont dit. Eh ben ici, dans cette ville-là. Cette ville-là. Dans cette ville-là. Ah, la ville-là, de chez ville, nous. Hein. Dans cette ville-là, il y a une youtubeuse qui habite. Dans... Vas-y, continue. Et elle habite dans cette maison. Tout le monde sait où on habite. C'est ça qu'elle a dit. Ah oui, quoi ? Elle a dit, ouais, apparemment, ici, qu'il y a... Non, elle a dit, ouais, apparemment, il y a une youtubeuse à Montauban, elle habite ici.
J'ai pas déjà lu, toi, t'as déjà lu. Hein. Ouais. Moi, je retiens exactement ce qu'elle a dit. Mm. Toi, tu sais plus trop, donc tu fais approximativement. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression qu'on fait plus que bouffer que parler. Ouais. T'as remarqué, toi aussi? Alors. Moi, je bois du coca de chez Lidl. Celui-là, c'est le meilleur, franchement. Le coca chez Lidl. Et oui, on prend beaucoup de choses chez Lidl. C'est très, très bon. Surtout quand on est dégoûté. Parce que chez Lidl, on avait trouvé des cappuccinos. Les cappuccinos avec le cookies. Café au lait. Pas des cappuccinos. Non, c'est un café au lait. Bon, mais café laïté. Un café laïté. Mais ouais, c'est pareil. Bah oui, laïté, c'est laté. Ça veut dire lait. J'ai trop soif à faire. Moi aussi. Et du coup, on est dégoûté. On y était allé tout à l'heure, il n'y en avait plus. Non, il n'y en a pas eu à Montauban. Ah ouais? Ah oui, on ne l'a pas acheté. Rappelle-toi, on l'a acheté. T'aimes pas? Non. Non, moi aussi, j'aime pas trop. Ah non, ça, j'aime pas. Ah! Ah, ah non, ah! C'est quoi ça? Moi aussi, je l'ai mangé avec. Ah, j'avais du fil et tout. Ah! Désolé, mais c'est dégueulasse. Ah non. Et en plus, je les ai fait cuire, le fromage est sorti partout. Mm. Non, c'est pas trop c'est ça, moi hein. Qui ai le plus gros, nanané. C'est bon, là, sur ce curry. Ouais. Et du coup... Bref, non. On n'a rien fait, en fait, pendant le confinement. Hein. On a fait le jardin. On n'a même pas fait de vidéo. Non. Des TikTok, on n'en a pas fait beaucoup. Moi, oui. Alors moi, par contre, TikTok, j'ai bombardé. Ouais, mais moi, j'avais la flemme de me préparer. Tous les jours, je faisais des TikTok. C'est calme, oui, goûte. Non, j'aime pas. Ça sent sûr. C'est pas un barbecue fort. Non, je déteste, ça sent le fumé. Ça sent les règles un peu. Oh, c'est toi qui as les règles. Après. Mais moi, j'avais trop la flemme de me préparer. Ouais. Je voyais les gens partout. Sur Instagram. Sur YouTube, partout. Ils étaient tous maquillé, coiffé, habillé tous les jours. Ouais. Pour rester chez eux. Après, c'est vrai que j'avais fait un débat sur ça, sur Snap. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas sur Snap, je fais beaucoup de débats, des trucs comme ça. Je parle beaucoup sur Snap. J'étais sûre que tu allais dire ça. Bien sûr. Et j'avais fait un débat en disant qu'est-ce qui se... Putain, j'ai des cernes. Qu'est-ce qui se maquillait tout ça pendant le confinement? Parce que ben moi, j'avais pas la foi. J'avais pas envie de me préparer. Moi, je n'avais pas envie de me préparer en sachant que j'allais rester à la maison, faire le ménage, le jardin, machin, ici et ça. Après, il y en a qui disaient que ben, c'est une habitude et qu'ils se préparaient surtout pour eux. C'est psychologique. C'est sûr que mamie, celle de mémé, elle était tous les jours préparée. Ouais. Ah oui. Il fait sombre un peu quand même dans la vidéo. Ma grand-mère, elle ne peut pas rester sans s'habiller. Ouais. Même si elle ne sort pas de chez elle. C'est impossible. Tu manges plus? Je réfléchis. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que mamie, elle s'habille tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, nous, on ne s'habillait pas, on avait trop la flemme. C'est un pyjama, hein? Si, moi, en vrai, je m'habillais des fois. Faire mes TikTok et tout. Ouais. Des fois, elle se maquillait, s'habillait, se coiffait mieux que si elle partait en soirée. Ouais. Ouais, parce que j'ai la flemme quand je vais au magasin et tout. J'ai jamais le temps. Ben moi, là, regarde, je le fais quand. On n'avait pas dit qu'on allait laisser de la pizza pour papa et Chahine? Non. Mais finalement, non. Pourquoi tu fais... Toi, j'ai remarqué, toi. Tu fais toujours... Qu'est-ce qu'on pourrait raconter? C'est pas moi. Après... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le déconfinement, c'était tout aussi nul. Ben, le déconfinement, il a été... Je me rappelle à chaque fois que Macron avait parlé. Allez, on rajoute 15 jours de plus. L'autre a été décomposé. Chaque 15 jours, il avait le sourire qui partait un peu plus. Moi, j'ai trouvé ça hyper rapide quand même. Tu as trouvé ça long, toi? Hein? Ça a duré une éternité, ça a duré une année scolaire, on dirait. On dirait que j'ai jamais été à la fac. J'ai l'impression que ça fait au moins 6 mois que je peux retourner à la fac. Mais ça fait 3 mois. Hein. Ah ben c'est long, hein, jusqu'à la rentrée là. Du coup, je savais pas que ça allait me manquer l'école, moi. Comment ça s'est passé, du coup, le bac et tout? Quoi, c'est le bus, ça se sortit. Contrôle continu. Ah ouais?
Et vous? Et nous, épreuve, hein. Oui, mais t'as eu le résultat? Non. Non, parce que je suis sûre que si t'as eu le résultat, tu vas pas me dire. Non. Quoi, non? Ça servira à quoi? Non, tu me dis pas ou non, t'as pas eu? Non, j'ai pas eu, non, je te dis pas. C'est pas vrai, je vais chercher sur internet. Pour te dire que j'ai eu 4. 4? De demi, oui. Ouais. Au moins 6. Pourquoi au moins 6? T'as triché 6 fois? J'ai triché un demi moitié par partiel. Ça va être dit au crous, ça. Pas vrai. Comme ça, t'enlèves les bourses. Si j'aurais triché, t'inquiète pas que je serai en deuxième année déjà. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que j'en dis? Il chantait. Ah. On est dans un joli quartier, n'empêche. Il y a du monde qui passe. Non, non. Ah, j'ai plus faim. Non plus. Comment on va faire pour ton dessert? C'est fort. On sait pas trop quoi raconter quand même. Franchement, c'était nul cette vidéo. On a plus bouffé qu'autre chose. Quand je mange, j'aime pas trop parler ma vie. J'aime bien réfléchir ce que je mange dans ma tête. Regardez la tête à Tissène quand même. Et pour papa, quand t'as craché partout là. Je sais pas où. Non, je mange plus la sauce. Hein. Tu la manges même pas. Attends, il reste du poulet quand même, on va pas le jeter, il reste deux. On dirait ton nez le truc. Tissène, c'est toi. Et celui-là, c'est le tien. Tissène. Même pomme de terre. Je suis sûre que c'est ton nez, ça. Je suis sûre que t'as craché dans cette sauce, c'est obligé. C'est tout ça, là. Ah, bonjour. Comment ça va? Il y a une rondelle. En plus, elle est hors carrière. Regarde, regarde comme elle est belle, c'est la mouette. Elle appelle sa copine, elle dit qu'il y a à bouffer ici, il y a du poulet. Il est où, Pimpin? Pimpin! Ça marche, merci. Et faut que je regarde ce que tu dis. Enfin bref, il faudrait raconter un truc quand même pour la fin. On va pas rester comme ça. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Ouais, c'était un truc du coup. Ouais, c'est vrai que là, on a voulu parler du confinement parce qu'en fait, j'avais pas d'idée. Et oui, t'aurais dû faire un sondage comme moi. Ah. Quel sondage? Pourquoi t'as fait un sondage, toi? Ah oui? Où ça? Sur Instagram, j'ai marqué des idées de mukbang avec la blonde. Mais quoi? De toi, t'as pas voulu. T'as dit que tu savais de quoi t'allais parler. Oui, finalement, confinement, on a rien fait. Non, mais si, quand même, on a fait le jardin. On a maigri. Bientôt, on vous parlera de notre régime quand on aura, quand on sera payé par ce qu'on a fait. Je vais demander une commission. Ouais, je vais parler de vous. Donc, on a fait jardin. On a bronzé. On déjeunait dehors tout le temps. Ouais, on déjeunait dehors. Oh non, je crois que c'était un petit cœur. C'est une raie du cul, ouais. La tienne alors. Parce qu'elle est fendue. Ouais, moi j'ai la raie fendue. Hein. On y passe un tractopelle entre mes deux fesses. Un quoi? Un tractopelle. Tu rigoles quoi, on y passe sa maison entière. T'es vraiment méchante. Pourquoi depuis tout à l'heure tu regardes ton téléphone? Parce que je reçois des SMS. Attends, on va voir les sondages qu'ils m'ont mis. Dégueulasse, tu pètes ta table. Ah là là. Mais c'était pas mis. Il vient juste de se publier. Pourquoi cette gueule que tu m'as mis? Je vais vous raconter un truc, Terre. Même si c'était... Je vais vous raconter un truc, c'était Tissène. À chaque fois qu'on fait une photo, qu'on est toutes les deux, je vous raconte. Je regarde que moi. Elle regarde qu'elle si elle est belle, mais moi, elle a rien à foutre à côté. Moi, je peux être moche, je peux avoir les yeux comme ça, quand même. Hein, elle va me mettre quand même. Là, elle a une photo.
Elle s'est fait une belle figure, elle s'est trafiquée. Moi, elle m'a pas trafiquée à côté. C'est quoi maintenant que je mets tes photos toutes les deux, je vais me trafiquer et pas toi. Non, je me suis même pas trafiquée, je te regarde. Parce que oui, on se trafique. Hein. Comme tout le monde. Hein. Mmh. Là, on est au naturel. Hein. Mais quand vous nous voyez sur les photos... Là, regardez. Moi, je suis pas trafiquée, elle est trafiquée, elle. T'as vu, toi? Non, mais attends. Non, je ne suis pas trafiquée, c'est ma tête. C'est ma tête naturelle. Elle est où? Dans ma story. Je te jure que c'est ma tête naturelle. Regardez. Je vous jure qu'elle s'est trafiquée. Non, elle ne s'est pas trafiquée. Ben, en plus, ma story, elle est juste expliquée. Tu m'as mis l'œil. Les premiers qui vont me donner des idées, bah, vous allez être les heureux gagnants de ma commission de vidéo. Elle a pas faim, la t-shirt, mais c'est goinfre. Hein. C'est juste la gourmandise, c'est trop bon, ça. Ouais. Vas-y, y a personne qui a vu, y a personne qui va me donner des idées. Truc au cheese, ça. Faut qu'on réfléchisse. Au cheese, c'est trop bon. Bah, j'ai soif. Ah, ouais, moi aussi. En vrai, désolée, je bois encore. J'ai encore de la place pour du sucre. Ouais, moi aussi. Pas une grosse place, tu vois. Pas ouais, un truc bourratif, c'est mais... pas grand-chose, hein. Ouais. T'as trois articles, toi. Par contre, en ce moment, on achète des sous-vêtements et des maillots de bain. On vous dira pas où, évidemment, parce que sinon, on n'aura plus. Ouais, excusez-moi, mais par contre, ouais, je vous dirai pas. Non, non, on va pas dire où. Quel culot, on va pas dire où. Oui. C'est bon, hein. Merde, hein. Ziman, plus de jogging. Hein. Moi, je fais quoi? Je sors tout nu maintenant. Ouais, on a fait la pub pour des jogging sur TikTok et Snap. Des jogging à 7 euros. À Ziman, le jogging que tout le monde veut. Ouais. Du coup, Tizane est dégoûtée parce qu'elle voulait s'en acheter un deuxième. Au cas où il s'habille, on y est allé, elle n'avait plus. Ouais. Pas. En fait, quand on fait des pubs, il faut faire le stock. Et après, y aller. Ouais. Mange un peu, là. Y a pas que moi qui va grossir toute seule, non? Non, mais oh. Moi, j'ai plus mangé que toi aujourd'hui. Vous savez ce qu'on fait avec Tizane quand... vu qu'on fait le régime et qu'on est au même point. Vous savez ce qu'on fait? Une bête. Quand il y en a une qui mange, on dit... Non, quand il y en a une qui a mangé ou que l'autre a fait le régime, mange un petit peu. Mais non, mange un petit peu, tu vois, c'est trop bon. Hein. C'est comme ça, elle m'écrit pas plus que l'autre. Hein. C'est ça, je dis quoi à ma mère? Je dis, t'as mangé que ça, toi? Elle dit, viens, on va manger un gâteau, viens. Ouais. Ouais, parce qu'elle, elle a pas tenu le régime. Alors. Là, à midi, j'avais bien mangé, j'avais tout tenu. Elle est venue me faire un McDonald's, oui, parce qu'à midi, elle a mangé au McDo. Donc, elle s'est dit, gâcher pour gâcher. On va faire un mukbang et on va bien bouffer. Mmh. Ouais. Eh ben voilà. Mange. Mange que demain tu vas manger de la salade. Ah, c'est vrai. Mais ça fait une semaine que tu me dis ça. Hier on a bouffé, aujourd'hui on a bouffé, avant-hier on a bouffé. Avant-hier je mange McDo, hier je mange McDo, aujourd'hui je mange McDo. Ah oui, je suis rattrapée sur le McDo. C'est quoi ça? J'ai mangé 4 McDo en 3 jours. Alors que ça faisait 3 mois que j'avais pas mangé. Quoi, c'est quoi? C'est bizarre dans le parc de taille. Tu le sens que c'est mort. Là, il y a une main. Hein? Il y a une main. Arrête. Je te jure, il y a une main qui est passée derrière le portail. Elle fait comme ça. Mais non. Je te jure, là-bas. Je roule à la rime. Quoi? Quoi? Je me suis flotté la gueule. J'ai plus de force. Moi, ça suffit, on a assez bouffé, maintenant on arrête le mode. Bon, vas-y, sans. Non, merci. Le nez, il va. Il va. Tu voulais me le mettre dans le nez, et ben voilà. Donne-moi du soupalin, s'il te plaît, maman. Bon, on va finir comme ça. Où est le soupalin? Ben devant toi, derrière ta bouteille. Est-ce que j'en ai genre sur les cheveux ou quoi? À part dans la narine, j'en ai pas. Juste pour pas que je tâche. Ah, bon. T'es chiante, hein. On va arrêter le mukbang là, parce que maintenant on a bien mangé, on va passer au dessert. Ouais, attendez, on finit pas un bon repas sans sucre, hein.
Bon, tout ça pour vous dire que pendant le confinement, on a fait que ça. Tu te rappelles quand t'es... Enfin non, tu te rappelles pas, mais encore un mouchoir, s'il te plaît. Oh, c'est bon, tu as pas usé le papier. Maman, tu m'en as mis partout. Tu as pas usé le rouleau de soupe à l'entier, non? Et ma mère, à chaque fois qu'on mange, elle me dit quoi? Elle me dit, oh putain, il y a du truc partout là-bas. Où? Sur le siège. Tu nettoies. Faut que j'éternue. À chaque fois qu'on mange dehors ou quoi, qu'on n'a pas mangé de dessert, qu'on a pris que le plat ou que l'entrée et le plat, un truc comme ça, tout le temps on se regarde comme ça, on fait. Il manque la petite touche sucrée quand même. C'est vrai, bah non, on peut pas manger. Si je mange pas la petite touche sucrée en dessert, ouais, que ce soit un fruit, un yaourt. C'est pas compliment ou pas. C'est à cause de toi, hein, je crois. C'est toi qui m'as mis ça dans la tête. Hein. Parce qu'à cause de toi, maintenant, quand je mange pas, j'ai l'impression que j'ai pas fini de manger. Et moi, j'ai une faim, elle est pareille. Hein. Elle peut pas avoir fini un repas sans manger sucré. Mais parce qu'en fait, c'est parce qu'on aime trop le sucre. Les gens qui aiment pas le sucre, ils s'en foutent. Ouais. C'est exactement ça. T'imagines, ça doit être trop bien la vie quand t'aimes que le salé, quand tu préfères le salé. Ou la vie quand t'as jamais fait. Le salé, il y a les chips, hein. Oh, bah ouais, des fois je me demande comment ils font les gens pour. Genre, il y a des gens, ils ont jamais fait. Oh, non, j'avais bien fait l'arc de mon triomphe. Et il est parti, maman, j'avais fait ma bouche on flic. Mais regarde. Donc je recommence, j'avais bien fait. Oh, t'as pris ton. Elle a pris son crayon, hein. Non, mais pour une fois que je l'avais bien fait, ça faisait bouche de... De babouin. Bouche de... De babouin. Non, je cherche le... Et les trous de cul du babouin, là. Des blobfish. Cherche trous de cul de babouin. Non, un blobfish, un blobfish. Un quoi? Un blobfish, regarde. C'est quoi ça? Un blobfish, c'est un poisson. C'est un chapeau? Ah non, non, mais attends, ça va. Un blobfish. Je te le jure, Tissène, qu'il a le même nez que toi. T'es une grosse mytho. Je te jure qu'il a le même nez. Bah voilà, il avait la même bouche. Attends, trou du cul de babouin. Trou du cul de babouin. Bah, définition cul de babouin. Non, moi je veux un trou du cul de babouin, une image. Voilà, trou du cul de babouin. Je vous jure, je vous jure tout ça. Ah là là, maman, elle a le même tir. Voilà. Pourquoi t'as le plus rouge toi aussi comme ça? Ah bon? Ouais. T'as été voir? Oui. Hier. Yeah. Bon allez, on va se laisser là parce que ça fait 28 minutes qu'on parle. Ouais, faut que j'aille refaire l'arc de mon triomphe. Et puis on va manger du sucré. Donc ouais, on va faire ça sur la chaîne à Tienne. Par contre, elle a pas d'idée, je vous dis, ça va être nul aussi. Ouais. Ça va être aussi nul que moi. Non, peut-être moi je vais avoir un putain de sujet, on va parler pendant 45 minutes. Elle a mis une photo là, Ticha. Mais bien sûr, t'as vu comme elle est belle ma photo? Régime! Oh, y a que différence d'âge dans un couple. Votre nouvelle alimentation. Racisme. Votre perte de poids. Franchement, régime, part de poids. Racisme, je partirai pas sur ce sujet-là. Ouais, moi aussi. Les couples mixtes, la culture origine, ça non plus. Différence d'âge dans un couple, c'est pas grand-chose à dire. Nouvelle alimentation. Bientôt, bientôt. Attendez, bientôt, attendez, bientôt. Attendez qu'on termine. Attendez. Et après, soyez pas pressé. C'est tout. Vous m'avez donné 3 réponses. Il y a 500 personnes qui voient ma story, 4 personnes qui réagissent. Vous prenez pour qui en fait? Bon allez, on se laisse là, parce que là j'ai la... J'ai envie de manger la pancake. Je vois ce qu'il y a derrière. Pancake, chocolat, gâteau, tout ce qu'il y a derrière. Non, parce que tout est derrière nous. C'est derrière vous, pas derrière nous. Voilà, bon allez, ils vont tous faire ça. Oui, parce que moi j'ai plus de... Il n'y aura plus de luminosité pour moi. Hein. Ouais. Pourquoi ça approche comme ça? Regarde quand je rigole comme ça, on est comme les moches. Tu sais les gens qui se mettent dans la qui nous mettent en vidéo, il y en a plein qui nous regardent dans leur télé. Ouais. Et je suis sûre ils nous ont un gros plan à tous les défauts. Oh là là, quelle horreur. Oh, elles sont fraîches sur les photos Tisha et Disney. Putain, regardez là. Ah oui, par contre, regardez la tâche que j'ai fait pendant le confinement. Montre. Non mais regardez la tâche que j'ai fait pendant le confinement. Aïe! Alors, ça, c'est parce que là, je me suis mise au soleil, j'ai bronzé sans. Quelle est moche celle-là! J'ai bronzé sans protection. Donc, regardez. Je m'appelle ma copine. Par contre, vous ne bronzerez pas. Je parle d'un sujet sérieux, t'es en train de me rigoler à la gueule, toi? Je suis en train de penser que Inès à chaque... Parce que tu sais pas, sinon tu vas me dire quelle Inès. Oui. C'est à vrai. Chaque fois que. Quand quelqu'un parle, je regarde sa bouche, je me mets sur la marche. N'est-ce pas Inès, en fait. Moi j'ai une photo compromettante en tout cas. Ouais, Inès, ça sortira un jour quand tu te marieras. Je vais venir gâcher ton mariage. Oui, en fait, regardez. Déjà, ils vont croire que c'est un truc de fou. Bref, allez, bon, allez, on va vous laisser là. Et on s'en va avec nos petits secrets. Ouais.
Voilà, allez, on se retrouve sur ma chaîne. Allez, bisous. Kiss mes poules. La prochaine fois, vous nous donnez, donnez-nous des sujets de mukbang en dessous de la vidéo parce que j'avais pas de soucis. Ouais, on ira chez Google. Oh, je discerne. Allez, bye bye. C'est pas possible, régime.